de vous. Saint-Charles. Monsieur le Président, connaissez-vous un pays où le premier ministre permet au régime communiste chinois d'accéder à ses secrets? Où j'en connais un, le Canada. Il y a 2 ans, Monsieur le Président, le premier ministre a donné un contrat à Noctec, une compagnie reliée au régime communiste chinois qui devait avoir des systèmes partout dans nos ambassades à travers le monde. Une chance, on l'a fait arrêter. Là, aujourd'hui, on apprend que le premier ministre a donné un contrat à une compagnie qui a été accusée 21 fois d'espionnage aux États-Unis pour mettre des pièces dans les systèmes de télécommunication de la GRC où les appareils doivent être le plus secret possible. Même la sécurité, la garde rapprochée du premier ministre prend ces systèmes-là. Pourquoi est-ce que le premier ministre donne des contrats au régime communiste chinois? Bravo! L'honorable ministre. Monsieur le Président, avec respect, même question, même réponse. Nous avons instruire nos fonctionnaires indépendants pour faire un examen de ce contrat particulier qui impliquait la GRC et à partir dans le troisième. Mais ce qui est plus important, que tous les membres dans cette chambre comprennent que nous avons fait des investissements pour offrir tous les outils que la communauté sécurité publique en a besoin pour protéger notre institution démocratique. Merci. Le député de Chabot-Saint-Charles. Monsieur le Président, on a un problème majeur au Canada avec nos achats. Il y a 2 ans, lorsqu'on a relevé le problème de Noctec, il y avait des recommandations précises qui disaient de stopper les achats avec les entreprises reliées directement au régime communiste chinois. Comment le gouvernement a pu donner un contrat à une entreprise reliée au régime communiste chinois, surtout pour des éléments de sécurité aussi importants que les systèmes de communication de la GRC? À un moment donné, y a-t-il quelqu'un qui décide quelque chose dans ce gouvernement-là où tout le monde fait ce qu'il veut? The Honorable Minister. La ministre. Monsieur le Président, comme mon collègue l'a dit et comme je l'ai dit, nous prenons ces révélations très au sérieux et nous étudions toutes les options sur la table. Nous revoyons les processus et nous sommes d'accord avec vous. C'est très préoccupant. Merci.